Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Craft the World. Alors je sais plus quel épisode c'est, ni quoi ni qu'est-ce, ça fait, j'avais fait une pause étant donné que j'avais rushé un petit peu. Voilà. Alors que ça va de très un logique. Promis, dès que n'hésitez pas dans le souci que j'ai, je veux pas du mal. Réponse, ça fait longtemps, je sais plus du tout où c'est qu'on en est. Mais on va faire un maximum. Alors si au montage je vois que la voix elle est un peu faible parce que je trouve que le micro il est assez loin de la bouche, ce qui me pose un petit peu problème. J'ai pas envie de parler la bouche de travers pour que ce soit bien, et je peux pas vraiment faire en sorte que le micro il soit plus proche. C'est un petit peu relou. Ok. Ça lag. Ok. Qu'est-ce qu'on avait déjà? Je sais plus. Ouais, ça lag vénère quand même. Ça lag vénère. Bon, on va faire avec. On va faire avec. C'était dans quoi? Il y a un autre truc. Aïe. Ok, les cristaux. Moi je vais savoir c'était. Ouais, donc on en a. Première partie, quatrième partie. Donc on en a déjà fait deux. Il en faut 5. Donc on va essayer de se trouver les petits gars. Hein. Sérieux. On va essayer de se trouver les petits gars. On va peut-être zoomer un petit peu histoire de. Ouais. Pourquoi pas. Donc. Ok, donc là on a notre machin. Alors, on va essayer de partir par là. What? On a un dragon là? Ah ouais, carrément. Eh mais vas-y Mouloud là, tape-le. Plus du tout les gars. Pourquoi il bouge pas lui? Mais attaque le bâtard. Voilà. Amène ta tête là, tu vois. Bon. Le tout, c'est de découvrir. Bon, alors en fait, là, l'utilité de ça, c'est pour plus tard. Mais là, dans l'immédiat, non. On n'a pas plus besoin que ça. Punaise. Alors, on va essayer de trouver les autres et essayer de comment dire, de se bouger le cul, on va dire ça comme ça. Vraiment qu'on trouve les autres. Le problème c'est que là. Ok, on va essayer de partir par là. Ah ouais, ils ont faim. De cave. Bah non. Putain, ils ont de la nourriture en plus, c'est quoi, c'est con. C'est pas grave. On parle de bouffe. Je sais pas, ouais, il y a des trucs qui sont un peu chelous. Cherche à comprendre. Donc de la laine, j'en ai à profusion. On va essayer d'aller par là. Hein. Oh putain. Qui me casse les pieds là. J'avais été par là. Donc là j'avais dû attaquer sûrement. C'est dur de reprendre un jeu. Hein. Donc en fait je vous avais fait pas mal de vidéos de suite. Hein. Vous aviez j'avais fait des vidéos jusqu'au mois d'avril. Donc vous aviez largement
ce qu'il faut. Oui, d'accord, ça va être par là qu'il va y avoir des zombies. Il y avait largement ce qu'il faut en avance. Je sais très bien que ces vidéos-là, elles ont pas l'air de vous intéresser vu le nombre de vues. Cependant, comme j'ai dit, celui-là, je tiens à le faire jusqu'au bout. Donc, ça sera chose faite. Déjà, tout du moins, la première. Je vais déjà faire la première saison. Je fais déjà la première saison. Et on verra par la suite, hein, selon ce que ça va donner. Par contre. Ah, c'est honnêtement, c'est relou hein, quand vous êtes vraiment perdu comme ça dans le jeu. Ça fait vraiment longtemps. Genre, je sais pas si vous êtes comme moi, si vous aimez bien faire des pauses dans les jeux. Mais moi, c'est une chose que j'aime faire régulièrement. Parce que justement, au bout d'un moment, je trouve que le jeu il lasse. Et moi, je suis le genre de personne où les jeux lassent très, 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 très vite. Justement. Donc voilà. On peut appuyer sur E, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais. Je sais plus. Putain, c'est horrible. Si, c'est là-dedans. Je sais pas comment. C'est donc. Là, il y a des lumières, mais ça, c'est pour la maison. Des torches. J'ai pas ça, des torches. J'ai pas des torches quelque part. Oh, c'est oufissime. C'est oufissime de reprendre un jeu comme ça. Je peux vous assurer, les gars. Si vous faites des pauses de temps en temps. Potion de résurrection, c'est cool. J'allais dire aidez-moi, dites-moi. Mais vous voulez faire comment? Comment vous allez me dire les choses? Et si j'en ai là. On va mettre un petit portail. Merde. J'entends le zombie, mais je sais pas où il est. J'espère que vous allez très bien. Que je sais pas si vous serez en vacances quand vous verrez cette vidéo là. Mais si c'est le cas, ah tiens, le zombie est là. Que vos vacances se passent extrêmement bien. Et je dois vous dire que je suis assez happy. Happy, happy. Pourquoi? Alors tout simplement parce que il y a un jeu pour ceux qui ont connu la PS3 à ses débuts. Donc un des jeux qui était en démo. Il s'appelle Valkyria Pro Chronicle. Et c'était un jeu qui m'avait intéressé. Et puis malheureusement, quand j'essayais de le choper sur internet ou des trucs comme ça, c'était toujours un peu galère. C'est toujours un peu galère parce que justement, je trouve qu'il était assez cher. J'aime bien acheter mes jeux pas trop cher. Ah, comme beaucoup d'entre vous, je suis sûr. Allez là, dépêchez-vous un peu, bande de. Attendez, 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 attendez. Attendez. Ah! Y'a pas un moyen de les faire aller plus vite, il me semblait là. Y'avait un moyen. Comment on fait? Ah ah! Non, si, oui. ×2, ça sera déjà pas mal. Ouais, gars. Oh,
va essayer de rechercher le... J'ai pas regardé à l'heure que j'ai commencé l'enregistrement. Vous êtes attaqué. Sérieux là? Alors, s'il se dépêche. Voilà. Le souci, c'est s'il se dépêche pas de ramasser la gargouille là, j'aurais eu quelques petits soucis techniques. Voilà, on va continuer là où on était parti. On était où? On était où? Oh bordel, toi. Ah, un œuf! Il y a un œuf de dragon! Du coup, enlever la lampe de mineur, enlever ça. Il faut que je me chope des échelles. Voilà, remettre un petit portail. Un petit portail, j'ai dit merci, dépêche-toi. Merci. Réfléchis avant de faire quelque chose, réfléchis avant. Voilà. Pose-moi cette échelle. Prends l'œuf. Enlevez œuf de dragon. Question. Voilà. Et cassez-vous. Mais vas-y, retourne chez toi, bordel de merde. Tu vas pas attendre que le dragon... Lui, il va crever. Tu vois, c'est typique le mec qui va crever parce que il est trop con. Ah, dégage. Putain. Faut en chier. Si je donne un ordre. Tu vas bien vouloir te barrer. Tu sais pas comment y aller, putain. Voilà, comme ça. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec... Quand les nains ils sont cons, on fait ce qu'on peut. J'espère que c'est bien là où j'étais. Ils veulent pas. C'est trop loin pour eux. Non pour là. Ah, y a pas moyen, il faut que je les trouve, c'est sale, hein. Parce que sinon on n'est pas rendu, quoi. Je veux dire, je peux faire encore des milliers d'épisodes. C'est pas là où j'étais où moi? Oh merde. J'étais par là, non? Ah non, j'ai déjà les machins. Putain. Ah, et c'est ça, d'avoir la mémoire d'une huître. Ça aide pas. Ça y est, maintenant que t'es là, tu veux bien me mettre un... Ça va, il y a quelqu'un qui parle, tu vois. Ah, c'est cool. C'est un mec qui est fort. Je sais pas ce que j'ai fait là-haut, enfin bref. What? Oh putain, t'es mort.
a de l'or, ça va nous servir pour la suite. C'est bien, mais bon. Est-ce que j'ai encore des... C'est où? Des bordels là. Ouais, j'en ai. Des bordels. C'est des bordels, vous avez compris? Vous avez pas fini de tout tuer encore, punaise! Allez-y, merde! Venez là, là, et butez tout ce qui... Oh, enfin, la vache! Punaise. Il faut que je l'enlève, ça, non? Je vais vous mettre un TP s'il veut bien. Hard. Chaud ou en mana là? C'est bon, je vais me permettre de doubler. Faites-moi plaise, faites-vous plaise, prenez-moi tout ça là, toute cette or là. Allez, dépêche-toi. Oh, tiens, t'en as encore là. Toi là, au lieu de... Ah, putain, ça m'agace ça. Ah ouais, yes. On a retrouvé un camp. Bonhomme. Alors tant pis, honnêtement, je vais y aller à la mort. Je vais juste attendre que la vague ennemie elle passe. Après je fais l'attaque. Après je pense que ça fera déjà un premier épisode. Enfin un premier épisode, ça fera un épisode, puis on continuera par la suite. Pardon. Après, je vais être franc avec vous, hein. Je suis contre le fait de faire des choses hors... Allez les gars, on va rentrer. On va rentrer, on se retrouve là. Et c'est parti. Et c'est parti, je sais pas si on en a un ou deux. Putain, il y en a deux. Oh la vache. C'est parti les gars. Il y en a deux en plus. Ah mais si, j'ai le machin là, qui permet justement de récupérer mes nains qui sont morts. Alors est-ce que justement, est-ce que j'ai des nains qui sont morts? Si vous attendez quoi là, attaquer, putain. Il va y avoir du mort, ça c'est clair. C'est même certain.
Putain, c'est n'importe quoi. Et allez, dingue. Putain. Et de deux. Et de trois. Oh, mais c'est la fin du monde là. Ils sont tous morts. Arrêtez de vous planquer à attaquer un peu là, bordel. Un petit peu de poil au cul, bordel. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bon, ça, c'est encore un qui va mourir à tous les coups. Service. Bon. On va utiliser notre petite magie là pour récupérer. Parce que ça, honnêtement, la nuit, c'est pas cool du tout. Alors au niveau des portes, j'ai quoi? Ah, je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo et tout ou pas. En fait, j'avais dit que je... Putain, mais j'ai toujours pas de porte en acier. On n'est pas récupéré. Mais carrément. Non, c'est pas des trappes que je joue, c'est des portes. Ouais, je sais pas si je vous l'avais dit en début de vidéo, mais je vous avais dit que je ferais une partie multijoueur potentiellement après. Et en fait, je vais attendre vraiment la fin, la toute fin, une fois que j'aurai fini le jeu complètement, pour faire le multijoueur, puisque d'après les dires de certains, multijoueur... Enfin, apparemment, il y aurait des trucs chiants. Donc, comme je sais pas, je préfère pas prendre le risque. Donc, je viderai la sauvegarde et puis je verrai bien. Donc, toi, lui, je m'en fous. Nageur, je m'en fous. Alors, je sais pas comment on fait. Ouais, comme ça, je crois. Dégage. Ok, alors par contre mage, je veux le garder. Ah, mage, je sais plus comment on fait. Comment on fait? Ah oui, attends, je crois qu'il faut prendre oh, putain. Non, je sais plus. Il n'y a pas une histoire de potion avec la potion, je sais pas quoi. Où est-elle? Où est-elle, cette garce, cette potion? Elle est là, la potion de résurrection. Ça, tiens, pour voir. Ah là là, je suis deg. Comment on s'est fait défoncer? C'est vraiment fait défoncer l'anus, quoi. Donc ça c'est remis, ça c'est remis. Donc c'est fermé, c'est nickel. Pourquoi ils sont dorés, eux? Je sais absolument pas s'il y a des nouveautés sur le jeu. Je m'en excuse. Pardon. Bon. C'est bien, ils vont récupérer leur énergie. J'ai 11 pièces. Ah, je galère un peu. Ah oui, j'étais en train de redonner vie. Mais non, mais oui, mais je suis teubé parfois. Bon, ok, souvent, mais il faut ça, il faut pas le dire. Ok. Oui, c'était comme ça, il me semble. La infusion de frenzy. Ok, donc il faut faire ça, utiliser, on va récupérer le chasseur, on va récupérer le mage, voilà, et c'est tout bon. Normalement, ils sont où?
faut juste que je les rééquipe. Et on va retourner donc mage. Ça me fait bizarre parce que comme je vous ai dit, j'avais une autre partie. Donc ma partie personnelle, c'était un petit peu plus avancé. Donc du coup, c'est un petit peu particulier. Vas-y, tu vas prendre les chiens pour être Père Noël. Après tout, t'es un mage. Magicien de Père Noël, non? Pas d'accord. Je dis que si. Ok, donc ça on s'en fout. Tac 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 tac, on s'en fout. Ensuite, il y a le chasseur là. Ce chasseur, un chasseur, hop, un arqueron. Donc les flèches c'est bon. Tu vas prendre le chapeau, les chaussures, le machin truc et ça. Ensuite, merde, non, t'as pas tout. La hache acier, le machin truc bidule là. Et j'en ai encore un normalement. On manque pas un. T'es sérieux là? Toi t'as un mage et puis t'es. Ouais, enfin. On va dire, c'est pas grave. Toi mage, meunier, bûcheron, pêcheur, cuisinier. Mage, t'es sérieux? Chasseur. Épée de mithril, les gars. Et on va en faire. Est-ce que j'ai un livre de guerrier? Livre de guerrier. Augmente les dégâts infligés par les armes de mêlée en combat rapproché. Ça, je peux vous dire, ça frite. Ça frite fort. Ça frite très fort. Utiliser. Voilà, donc il est guerrier 10. J'en ai un 11e qui doit venir. Et on avait dit donc, je ne sais plus où c'est, comme d'hab. Putain. Ah, ici. Voilà, donc. Donc. J'aimerais bien qu'on avance un petit peu histoire de le voir, tu vois. Mais ça n'a pas l'air de vouloir ça, ça me compte dans ce jeu. Tu es un meunier et on s'en bat les steaks. Punaise. Et puis en acier. Ça, ça. Ça. Non, ouais, peut-être plutôt ça. Et puis ça ira bien pour cette fois-ci. On va te mettre ça avec. Ça, tac tac tac, on va enlever celui-là, on va avancer, puis après vous attaquerez ça, et il y a le vilain pas beau. Donc écoutez, on va se faire, non on va pas se le faire, vous savez quoi, on va arrêter la vidéo là, hop, les amis, je vous dis à la prochaine, on va s'arrêter là, ça sera le suspense, au prochain épisode, donc le mercredi prochain, vous allez avoir le combat contre ce boss là. Et une fois qu'on aura fait tous les boss, on rushera pour toutes les séances pour pouvoir faire le portail. Je vais essayer d'accélérer le plus possible, je vous le promets. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.
Amusez-vous bien et ciao, bye bye. We'll be right back.